Le 17 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la misère. Cette année, pour ses 25 ans, des rassemblements ont eu lieu un peu partout autour du thème de l'intégration et de la réussite par l'éducation. À Roubaix, ville élue la plus pauvre de France, les premiers acteurs de la pauvreté se sont rassemblés devant la médiathèque. Ils étaient une trentaine, comme vous pouvez le voir sur ces images. Chacun a pu prendre la parole et livrer son expérience. Je vous propose d'écouter un membre du mouvement ATD Quart-Monde qui est à l'initiative de cette journée. On l'écoute au micro d'Élodie Bernachon. Moi, ce qui m'intéresse à Roubaix, c'est que elle est très. On dit que c'est la ville la plus pauvre de France, mais c'est une ville qui est riche de cette pauvreté. C'est-à-dire que la dignité, le courage de ces familles font que moi, je suis très, très attaché à Roubaix. J'aurais pu être ailleurs aujourd'hui, j'ai préféré être à Roubaix parce que c'est une ville où les valeurs humaines sont vraiment très fortes.